Et bonjour à tous, c'est Vincent, je vous retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distance Worlds Universe avec le United Kommeno Empires. Alors, vous avez raté 2-3 petits tics de peut-être un ou peut-être 2 jours. En fait, j'avais commencé à réenregistrer l'épisode. Le problème, c'est que j'avais coupé le son entre-temps pour une raison toute simple, c'est que Oula. C'est que j'ai regardé une vidéo YouTube et du coup, j'ai tout simplement désactivé le son du jeu et quand j'ai relancé l'enregistrement, j'étais complètement à l'ouest. J'ai oublié de réactiver le son. Donc voilà, vous avez raté juste un tic. Pas grand-chose. Donc le colonisateur a accompli sa mission. Et ben ça c'est cool. Pardon? Ah oui. Oui, donc en fait il s'est pas lancé directement. C'est pas grave. On va lui donner l'ordre et il va aller coloniser la planète Kuruba. Hein. Donc c'est notre future colonie. Hein. Ça. Donc ça, ce sont des gens du Murderous Gang. De toute façon, je pense pas qu'ils s'amusent à attaquer juste avec ces vaisseaux-là. Ce serait un peu abusé de leur part. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas commencé à y avoir pas mal de pirates dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon y recruter des troupes dès que notre vaisseau de colonisation sera fini. Il est là, normalement. Voilà, il est en train d'arriver. Il arrive à toute vitesse, hein. À fond de balle, comme on dit. Bon, donc notre empire, en tous les cas, se démerde plutôt bien, je trouve, pour l'instant. On est stable, on n'a pas eu trop de problèmes avec les pirates. Faut dire qu'on essaye un peu d'arrondir un peu les angles avec les pirates depuis le début. Et notre puissance de recherche aide bien aussi, quand même. Voilà. Bon, juste un petit aparté pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier sur Europa Universalis 4 et qui me suivent à la fois sur Distance Wars et sur Europa Universalis. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc Europa Universalis 4 bonus, on va dire, d'hier soir, il n'y a plus d'épisode d'Europa Universalis 4 à partir d'aujourd'hui. J'ai eu quelques problèmes avec le passage à Mare Nostrum. Donc voilà, c'était juste la petite digression pour ceux qui suivent les deux séries. Voilà, on repasse sur du Distance Wars par contre. Donc voilà, c'est. Allez voir la vidéo bonus hein, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, elle est faite pour ça. Alors, réfléchissons, réfléchissons. Donc là, ils vont se mettre à faire ça. Donc oui, on va devoir recruter pas mal de troupes sur place. Le but étant de virer les pirates, hein, bien évidemment. Ah! Tu t'es fait attaquer? Ah bah oui! On va faire venir la seconde fleet. Tu t'es fait attaquer où? Tu t'es fait attaquer là? Eh bien. Venez taper là-dedans, vous. Ça va vous prendre 2 secondes et demie. Donc notre colonisateur va débarquer et... Et c'est parfait. C'est réglé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment demander le recrutement de quelques troupes, de pas mal de troupes même. Deuxième chose, c'est bon, les taxes sont à zéro, ça me va. 0, 0 et 20%. C'est parfait. Donc voilà, donc du coup on a une deuxième ou une deuxième petite colonie. Donc là, normalement, ils ont débarqué. Voilà, donc là, c'était forcément la fin. Donc par contre, du coup, on va leur demander de les reprotéger ici. Ici, on va demander la construction d'un petit spatioport. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Parce que vous voyez qu'il y a quand même du monde hein, dans les spatioports là. Je suis assez impressionné d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils foutent. C'est waouh. C'est assez impressionnant là. Bon, il y a nos explorateurs qui subissent des dégâts à droite à gauche. C'est pas grand-chose. Elle est marrante cette petite base là au milieu quand même. Hein. Elle donne une vision sur une partie de la galaxie qui nous intéresse pas vraiment, mais bon.
C'est pas bien grave. Donc notre forceful challenger qui est en train de rentrer à la maison. Voilà, donc nos vaisseaux qui sont ici tranquillou. Ah, donc les troupes sont en cours de recrutement. Donc le but, c'est bien évidemment de faire des troupes puis d'attaquer ces deux trucs-là parce que si on les laisse, ils vont faire leur réseau, leur espèce de réseau galactique de contrôle là, les pirates, et ils vont prendre contrôle de la colonie et ça, ce sera chiant. Ça pourrait être très très chiant, donc du coup, on va pas les laisser faire tout simplement. Est-ce qu'il est revenu? Ouais, il est revenu construire ici. Ce qui est pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de silicone. Bien fait pour votre gueule. Donc ce qui s'est passé, c'est que les Dayutes ont, non, c'est pas les Dayutes, c'est les Boscara ont essayé de nous voler des technologies et on a chopé leur espion pendant qu'ils essayaient de nous piquer des technos. C'est plutôt une bonne chose en règle générale. Parce que sinon, en fait, ils peuvent nous piquer, par exemple, notre réacteur. Là, le réacteur à noyau Nova. Donc, ils pourront pas l'améliorer, mais ils peuvent nous le piquer. Et du coup, bah, en piquant le réacteur, ils ont les mêmes avantages que nous. Donc, forcément, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut leur permettre de faire. Le gouverneur sur Comeno 2, ouais. Même très très folichon. Il gouverne Lantia, on va l'envoyer sur Kuraba 1. Comme ça, quand il y aura la guerre, il va commander les troupes qui vont attaquer les bases pirates. Donc là, malheureusement, ça risque de mettre un peu de temps à se construire. Malheureusement. Le nombre de caltors géants, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors. C'est vraiment. Vraiment, j'adore ce jeu juste pour ça. Vous voyez tout votre empire. Donc là, pour l'instant, c'est un tout petit empire. Mais à la fin, vous voyez tout votre empire avec tout le monde qui se déplace de partout. C'est super beau. Et mine de rien, c'est petit, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a déjà trois planètes. Donc ici, ça se développe petit à petit. Par contre, ici, j'aime pas trop l'idée qu'il y a derrière le 3%, qui est ridiculement bas, en fait. C'est ridiculement bas. Mais bon, bref, il y a du monde qui vient. Pff, oh là là, le nombre de livraisons qu'ils sont en train de faire, c'est n'importe quoi. Et les pirates offrent leur protection. Non merci. Par contre, si les pirates ont des contacts avec des gens, ça m'intéresse. Beaucoup plus. Voilà, le Kelemar Corporations. Kelemar Corporations, c'est eux. Ah, c'est les deuxièmes amphibiens. Ah non, c'est des reptiliens. C'est des reptiliens. Ah oui, les amphibiens, c'est eux. Les autres amphibiens. C'est avec eux qu'on pourra s'entendre à peu près correctement. Pour l'instant, on s'entend bien avec eux, c'est suffisant. Acheter avec une faction, la Xenox Théocratie. Donc ça, c'est les Xenox, tout simplement. Donc eux, c'est nos grands rivaux en termes de science. C'est eux qui normalement ont aussi une très bonne science, notamment parce que c'est les seuls à pouvoir avoir, en plus de nous, le fameux régime politique technocratie qui donne un bonus énorme à la science. Regardez la science qu'on produit, c'est assez incroyable hein, quand même. Parce que c'est ouais là c'est quasiment 2 millions de recherches. C'est beaucoup. C'est beaucoup beaucoup.
Voilà. Donc là, on est sur les tactical interceptors, mais il y a encore quelques petits trucs à faire. C'est ça, on a pris pas mal d'avance sur ce qu'on voulait faire. Là, on va lui dire de construire ça après, parce que passer sur des vaisseaux maximales à 400, c'est quand même pas mal. Pas mal du tout, même. Donc là, on va bientôt pouvoir coloniser les Marshy Swamp. Je suis pas sûr que... Ouais, si, allez, on va le faire. Ok. Ouais, c'est pas grave, ça me va bien aussi comme ça. On va enlever les déserts parce que je suis pas sûr que ce soit folichon, folichon. Ça, par contre, il faudrait que je me mette à niveau. Fleet targeting et fleet contre-mesure. Je vais mettre ça aussi. Parce que je pense qu'on va faire l'impasse sur les contre-mesures et tracking. Et en fait, ce qu'on fera, c'est que on. Advanced countermeasure. Ouais, advanced fleet counter. Ouais, non, on fera peut-être pas l'impasse, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on dédiera un vaisseau à donner des boosts à notre escadre, en fait, à notre fleet. Enfin, le dédier, c'est bien, bien gentil, mais bon, en gros, on aura un vaisseau qui sera très tanky, qui aura peut-être quelques armes, mais qui, grosso modo, sera là plus pour servir de vaisseau amiral, booster, etc. Peut-être même avec. Ce sera lui qui embarquera si on arrive à avoir des faisceaux gravitiques pour regrouper les adversaires. Ça pourrait être embarqué sur ce genre de vaisseau. Je vais essayer ce genre de flotte, hein, un peu centré autour d'un gros vaisseau amiral booster, avec plusieurs autres vaisseaux un peu plus légers à côté et qui coûtent moins cher et qui du coup sont plus dire disposables. Donc voilà, donc deux éléments ici, donc il leur manque de l'iridium et du krypton. Donc on commence à avoir des troupes qui se rassemblent. J'aimerais bien arriver à le faire avant en fait que ça se soit fini. Les efforts diplomatiques, merci. On ira au McDo. Ce système en a quand même mis pas mal de petits trucs hein, de partout. Avec du Caslon, du Caslon, du pas Caslon. Ouais, ce système est pas mal du tout, hein. Ce système est pas mal du tout. Bon, pour l'instant, c'est assez drôle parce qu'il nous affiche ça comme étant un truc de ravitaillement, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment du ravitaillement là-dessus. La base abandonnée a été découverte. Nous avons découvert une épave dérivant dans le... Investigué, bien évidemment. Nous avons étudié... Il semble être en bon état de fonctionnement. La base révèle également des coordonnées dans le secteur A6. Ok, donc ça c'est... Ouf. Ça c'est le fameux truc qu'on était allé voir, là, le Expense Site d'essai. Donc on avait donné l'ordre juste avant. Mais... Visiblement, pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais tu vas venir ici. Voilà. De toute façon, il a encore assez normalement. Oh oui, il a largement assez. Ok, donc qu'est-ce que c'est que cette base? Exactement, vu le nom, je dirais c'est un laboratoire. Station d'armement, ouais. Ça y ressemble en tout cas. Je vais regarder ça. Alors ça c'est le vaisseau qu'on était en train de chiner. Dans le secteur A6. Ok. Donc pour l'instant il n'est pas encore opérationnel. Mais on le fera rentrer juste après. Et lui n'aura clairement pas assez pour rentrer totalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Centre de commande, des petites cellules de carburant, nanana, laboratoire d'armement, des blasters, ouais, rien de bien folichon. Donc en fait, on va juste la démanteler la base. Voilà. Ça a rien d'avoir ce truc-là qu'on paye, dont on paye le. Dont on paye le coût d'entretien pour rien en fait. Hein. Où est-ce que tu es toi?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai peut-être fait rentrer à l'arrache aussi. Alors, du coup, il y a des gens. Ok, oui. Non, mais c'est normal. Est-ce qu'on ne ferait pas rentrer à la maison, toi? Parce que, du coup, t'es loin quand même. Non? De toute façon, tu vas mettre 15 ans à rentrer, donc. Voilà. Le Smashing Decree. Toi aussi, tu vas mettre 15 ans à revenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le Forceful Challenger. Donc, du coup, bah, ce qu'on peut faire avec lui, c'est le faire rejoindre une escadre. Donc, on cherche le Forceful Challenger. Et on va l'assigner à l'Antique Fleet. Voilà, donc normalement, bah, il devrait se mettre en route de là-bas. C'est ça, il va aller à Aquamino 2. Hop, donc là, ça va, ça va, ça va. Notre chef de faction, ce mec, c'est juste une brutasse, quoi. En termes de bonus, c'est n'importe quoi. Il a juste un problème là, avec son trait de caractère un peu pourri, la mauvaise orateur. Mais sinon, c'est une brutasse maintenant, quoi. Ah, que c'est. Waouh. C'est vrai que les scientifiques sont pas mal. Nos scientifiques sont pas mal non plus. Hein. Faut le dire. Là, par contre, on a des captains, c'est. Il y en a, c'est. C'est des sous-merdes intégrales. J'ai plus que les colonies potentielles, hein. Ça veut dire que là-dedans il y a une colonie potentielle. Ouais. C'est vrai en plus. C'est vrai. Ah bah voilà, 11% c'est déjà mieux, hein, en termes de. Après, bien évidemment, dès qu'ils vont atteindre les 1000 millions, là, ça va commencer à avancer. Fournissant un bonus unique à tout empire qui. Toutes les troupes entraînées à l'une gagnent un bonus de force de 100% tout en étant entraînées 100% plus vite. De plus, toutes les forces défendant cette lune d'invasion gagnent un bonus. D'accord. Oui, bien évidemment, je vais m'empresser d'aller coloniser une lune gelée que je ne peux même pas coloniser de 23%. Non, on le fera certainement parce que. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça vaut quand même le coup d'en parler vite fait. Les colonies comme ça, enfin, les planètes, donc elles ont leur taille, elles ont leur qualité, et donc, comme je l'avais dit, il me semble, la qualité, elle peut aller de 0 à 100%. Si vous avez une planète avec 100% de qualité, c'est juste le paradis sur Terre en fait. C'est aussi simple que ça. Par contre, le fait qu'elle soit en dessous de 50% fait que vous pouvez quand même les coloniser. Par contre, ça va vous coûter de l'argent en fait. Les gens, la façon de vivre dessus, bah, ça vous coûte de l'argent en fait, au lieu de vous en rapporter. Du coup, bah, pour certaines planètes, ça vaut le coup. Pour d'autres, ça le vaut beaucoup moins. Là par exemple, bah, ça peut valoir le coup parce qu'en fait on entraînerait des forces, des unités là-bas, et après on les répartirait dans tout l'Empire et on aurait des unités bah, entraînées plus rapidement, de façon plus efficace, juste parce qu'elles ont été formées sur cette lune-là. Du coup ça peut être vachement cool parce que ça vous donne une défense planétaire qui est très très puissante par rapport à vos adversaires, ou en tous les cas à vos adversaires qui ne profiteraient pas de la même chose, dirons. Les Venomous Claw Pirates. Et ils m'ont fait connaître le Urd Eba Conformity, qui est. Qui sont pas des futurs potes, hein. Qui sont pas des futurs potes.
Je pense que c'est fini là. Je pense qu'on les connaît tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je sais plus si on en avait mis 17 ou 19 en fait. Faudrait que je re-regarde le premier épisode. Ah, sauvegarde des données. Ça veut dire qu'on est arrivé à peu près 20 minutes. Bon, je vais juste regarder encore si des gens, si il y a parmi eux des gens qui vendent des contacts, mais je pense qu'on a fini en fait. Je pense qu'on connaît tout le monde. Donc faisons un petit topo. Donc on est toujours premier dans la course à la victoire. On est à 39% sur 90%. Donc quasiment à la moitié. En termes de score, on est toujours à 77 000. Donc dans les gens qui nous talonnent un peu, on a là le camarade conformity, le Karmat Conformity. On doit toujours avoir les Securan. On a les Tikan qui nous talonnent bien 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 sévère. On a les Securan qui nous dépassent peut-être même maintenant, 77 793. Ils nous dépassent. Donc voilà, donc en termes d'accomplissement, les Securan nous dépassent maintenant. Notamment, ils sont beaucoup plus nombreux que nous maintenant. On est passé un peu plus haut qu'eux en termes de colonies, mais c'est toujours les Mortalens qui ont colonisé comme des gros crevards. En termes de PIB, on est en dessous, donc on est troisième, ce qui est pas mal, hein, mais on est quand même loin derrière les Tikan, dont c'est la spécialité. En valeur stratégique, on est toujours premier. En puissance militaire, on est deuxième, juste derrière le Free Sekouran Harmony. Et on a toujours, par contre, la meilleure planète qu'on connaisse, en tout cas. Donc, on va regarder si on peut pas faire un peu de. Voilà, parce que du coup, bah, ils nous aiment bien. Enfin, ils nous aiment bien. Voilà. Cette proposition ne sert pas à nos intérêts. Cette proposition ne sert pas nos intérêts. C'est n'importe quoi. Alors, je ne comprends toujours pas quand est-ce que je peux. Parce que pourquoi moi je peux offrir des cartes territoriales et eux ne peuvent pas, par exemple. Ou un marché. On va leur vendre la carte territoriale, par exemple. Acceptez-vous le marché? Oui, nous acceptons. Est-ce que je peux maintenant leur acheter la leur? Non, pas du tout. Mais ça n'a pas de sens, en fait. Voilà. Voilà. Et si j'améliore mes relations avec eux, si je renforce les liens, par exemple, je leur fais une réception honorifique à l'ambassade. Voilà, donc maintenant ils nous kiffent. Faire évoluer nos rapports. Non. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut pas qu'on ait trop de. Il me semble. Sans me rappeler un truc comme ça. Proposition ne sert pas à nos intérêts. Ah, donc en fait, il faudrait qu'ils nous aiment bien. Ouais, on va faire un truc comme ça. Voilà, comme ça, on a gagné 100 000. Donc voilà, donc du coup, là, maintenant, on sait où sont les mectons, normalement. Donc, ils sont par là-bas. Donc, par contre, voilà, donc en fait, ils sont tout là-bas. Donc, ils sont super loin de chez nous. Du coup, ben, on a aussi la visu sur eux. Et on a la visu sur eux. Enfin, eux, on sait pas trop d'où, en fait. Il doit y avoir un empire par là. Ouais. Bon, donc du coup, c'est nos rivaux actuels, mais ils sont quand même assez loin. Et du coup, en termes de meilleures colonies, bah, on voit que bah, ils en ont deux pas mal, en fait, les Sécuranes. C'est pour ça qu'ils ont plus de population que nous. Ils ont celle-ci, avec un niveau de développement de 75. Celle-ci, avec un niveau de développement de 105. Donc en termes de niveau de développement, on est pas mal, mais on a dû la coloniser beaucoup plus tard, et du coup, elle peine à se développer. Bon, après, on n'a pas non plus une croissance démographique très très élevée avec notre race. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui a été très très calme, mais sur lequel on a fait deux trois trucs assez sympas, hein, notamment la découverte de cette base, découverte d'un nouvel endroit, la lune avec. Donc ça c'est pour beaucoup plus tard, cette petite colonisation. Non, c'était un épisode quand même bien rempli, donc toujours pas de guerre, mais on rentrera pas en guerre tout de suite. Hein, j'ai envie de sécuriser ces trois colonies là et de les développer avant de rentrer en guerre.
Voilà. En tous les cas, je vous remercie. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures avec le United Quamino Empires. En attendant, passez une très bonne soirée et à demain.